Vous avez vraiment une belle peau et vous vous apprendrez à faire ça. Vous. Aujourd'hui, dans la maison des maternelles, Afida nous emmène en consultation à l'hôpital Foch pendant que Karim nous apprend à faire un petit massage facial régénérant. Nous parlerons aussi avec Agathe du déménagement. Comment on prépare ces enfants? Comment les associer aux préparatifs et leur donner envie d'aller vers leur nouvelle vie? En cuisine, Benjamin a un chien. Benjamin, pourquoi un chien? C'est notre invité, parce qu'il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un médecin, ou presque, ce petit chien, puisqu'on va parler de zoothérapie avec Chico. Chico, Chico. Programme. Voilà Chico. C'est bien, elle prédit l'avenir. C'est vrai. Elle passe, l'émission a déjà commencé. Marie, on va avoir évidemment plein de réactions, j'imagine, par rapport à tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour les exprimer? Alors, on attend tous vos commentaires et toutes vos réactions sur la page Facebook de la Maison des Maternelles sous le post du jour, ainsi que sur Twitter avec le hashtag LMDM. Je peux vous piquer, Chico? Allez. Il est tellement mignon. Oh, bonjour, Chico. Trop mignon. Il m'adore. J'adore. Tout de suite, c'est l'heure de s'informer. Allez. Et Benjamin, prenez place. C'est générique, hein? All round banks, man. Fratic pour. C'est paroles que vous aviez écrites. Oui, et, ouais, et je vous les ai traduites un jour. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. De quoi va-t-on parler? De chiens, apparemment. Bah, vous avez écouté ou pas? Zoothérapie. Je viens de le dire, on va parler de zoothérapie. Non, c'est fascinant ce que l'on va découvrir, notamment, bien sûr, les animaux qui vont servir dans les thérapies des enfants qui ont des différents troubles. C'est assez fascinant. Donc vous aurez un invité tout aussi fascinant. On va d'abord ouvrir ce journal avec cette nouvelle nomination hallucinante de l'ami Donald Trump. Nomination à l'équivalent... L'ami, c'est vous qui le dites. Nomination ouais, c'est vrai. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas. Nomination à l'équivalent du planning familial américain, qui est une importante administration avec un budget de près de 300 millions de dollars en charge d'aider les plus pauvres essentiellement à avoir accès à la contraception. Jusque-là, tout va bien. Sauf que votre ami Donald Trump vient de nommer la nouvelle patronne de la chose. Elle s'appelle Theresa Manning, une femme qui gagne à être connue. Vraiment, son CV, militante anti-avortement, ouvertement homophobe. Elle dit de la contraception que ça ne marche pas. Ce serait même absurde, dit-elle, de penser qu'une pilule empêche de se reproduire. Et oui, c'est bien connu. Une anti-IVG de plus nommée par Trump. Sauf que là, elle sera en charge donc directement d'accompagner les jeunes filles vers la contraception, sachant donc qu'elle n'y croit pas. Tout va bien. Ouais, ou pas. On en vient à cette info idéale pour vous qui, en ce jour férié, prenez votre petit déjeuner. C'est une étude géniale, vraiment, qui va vous faire voir ceci différemment. Regardez, petite vidéo pour bien comprendre. Alors bon, visiblement, le jeune homme cherche quelque chose dans son nez. Seul problème, il sait pas quoi en faire. Est-ce que je le mets sur le canapé? Non. C'est pas très propre. Est-ce que je le mets sur la table? Non, c'est pas très propre. Allez hop, dans les cheveux de la petite sœur. Oui, vous vous dites chez vous, oh que c'est mignon, mais non. Grâce à nous, ce matin, vous allez découvrir qu'en fait, cet enfant aurait bien mieux fait de la manger. Sa crotte de nez, je vous explique, tout ça est scientifique. Qu'est-ce que c'est scientifique, madame, c'est la médecine qui parle. C'est une étude anglaise publiée par le Mirror qui nous apprend que le mucus nasal a des vertus importantes pour la santé, qui plus est pour les enfants, puisqu'il contient de bonnes bactéries, des éléments, je cite, utiles et bénéfiques à la croissance des petits. Un professeur explique dans le journal que le nez est un filtre dans lequel une grande quantité de bactéries est collectée et lorsque ce mélange arrive dans les intestins, il fonctionne comme un médicament. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle, on suit, mais franchement, la crotte du nez, ami du petit déjeuner, voici donc, mesdames, messieurs, un geste sain et bon pour la santé. N'hésitez pas à le refaire chez vous. Regardez. Oh mon Dieu, avec cet exemple. J'ai peur. De Joachim. Mais pourquoi est-ce qu'on me montre moi? Regardez, Joachim Löw, sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, lui, il sait comment s'y prendre. Il la connaît, cette étude. Regardez, il est allé à la pêche. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce il que fait j'en une fais boulette vu. Et il prend soin de sa santé. Et en loose des knacks, hein, derrière l'ongle. Bon, pardon pour cette information. Non, mais ça, en fait, la question que je me pose, Benjamin, c'est pourquoi? C'est médical. Déjà, un et c'est deux, médical. Où allez-vous chercher tout ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de vos journées au bureau? On est nombreux à chercher, je vous rassure. C'est ça, bon, bah, vous nous vendez du rêve en tout cas. Et d'ailleurs, on va continuer avec un reportage 100% bon plan. Voilà, ça c'est pragmatique. Vous savez que dans cette émission, on aime vous donner de bonnes idées pour ne pas vous ruiner lors de l'arrivée d'un bébé. Et on en a un excellent exemple ce matin. On vous emmène découvrir ce matin des associations qui vous permettent d'économiser beaucoup avec une idée toute simple, réparer plutôt que de racheter. Oui, une poussette ou un robot cuiseur abîmé, c'est embêtant, mais pas désespérant pour autant, grâce notamment aux cliniques des poussettes, aux garages, les garages auto de la puériculture ou des cafés associatifs qui font du bien à votre porte-monnaie. La preuve, grâce à Madame Bonplan, Marie Gorand et son accent. Regardez. On sort les boîtes à outils, l'huile de coude et on parle réparation dans un garage un peu particulier, un garage à poussettes. Bonjour,
Je vous ramène ma poussette, je vous ai appelé ce matin pour ma poussette. Elle a perdu sa roue. Bon, si c'est que ça. Mais si c'est que ça, moi ça me va. Si pour vous c'est pas grave, tant mieux. Non, non, pour moi c'est juste la fin du monde de pas avoir de poussette pour vous. Oui. Younes peut repasser dans 30 minutes. Entre-temps, trois personnes se succèdent. Un vrai succès, car les réparateurs classiques sont liés à des marques. Ici, Jean-Noël propose de réparer tous les modèles vendus sur le marché. Cette réussite est aussi liée à des raisons budgétaires. Les gens viennent pour une question d'économie. Je vous dis, le prix par rapport au prix de la poussette, bien entendu, s'ils ont un problème, une mauvaise utilisation, bon, bah, si on peut faire le nécessaire pour ne pas qu'ils la jettent, bah, on est là. Au-delà du simple changement de roue, c'est un véritable contrôle technique qui est proposé. Quand on rend une poussette, on fait systématiquement le tour de la poussette. Au niveau sécurité, on regarde les assises, la tenue des roues, le frein, ça c'est la priorité. Et puis quand les clients ressortent de chez nous, ils ressortent avec une poussette pratiquement neuve, comme neuve. Hein, donc, et en plus, on veut qu'ils sortent avec le sourire chez nous. Oh là là, c'est lourd, hein. Costaud. Ah ouais, c'est lourd. Avant tout passionné par les poussettes, impossible de quitter Jean-Noël sans découvrir son landau de collection favori. Pour le matériel de puériculture électrique, rendez-vous dans les cafés associatifs où l'on répare son matériel soi-même, encadré par des bricoleurs très doués. C'est le cas de Vincent, aidé par Monique. Ensemble, ils réparent un robot autocuiseur pour bébé. Je pense qu'il faut faire glisser la colle. Ici. C'est vraiment une très très bonne idée. En plus, cet autocuiseur a servi pour la première de mes filles. Et là, en le réparant, ça pourra servir pour la seconde. Pas besoin d'investir dans un autre autocuiseur. Réparer plutôt que remplacer, c'est la devise de ces cafés associatifs. Parfait, on pourra faire plein de bonnes purées. Merci beaucoup, Monique. Mais presque. Si les réparations sont gratuites, libre à vous de laisser une participation. Ces cafés fleurissent, on en trouve plus d'une centaine à travers la France. Ah, vous voyez, vous avez été réhabilité hein, par rapport à la crotte de nez. C'est mieux ça. Ouais, c'est un peu plus concernant. Pourquoi tout à coup, je me suis dit, tiens, il y a quand même du travail qui sert à quelque chose. Et si les animaux avaient des pouvoirs de guérisseurs? Ce matin, dans la maison des maternelles, on va vous parler de ce qu'on appelle la zoothérapie. C'est ce qui consiste à utiliser le lien unique qui se crée entre un animal et un humain pour aider des personnes souffrant de différents troubles. Alors, quels sont ces petits miracles que l'on doit aux animaux? On en parle avec votre invité Benjamin. Notre invité qui est lui-même zoothérapeute, José Sarica, qui est notre invité. Bonjour José. Bonjour José. Bonjour Agathe, bonjour Benjamin. Et bonjour Chico, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Chico, c'est un peu la star du jour. Qui a l'air très tranquille. Complètement. Chico, c'est un bichon maltais. Vous dites c'est votre assistant. Complètement, en fait. On fait un travail d'équipe. Je l'ai eu à l'âge de 2 mois et on a fait une formation ensemble. Il était dans les hôpitaux, donc depuis maintenant 10 ans, on travaille ensemble. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a 10 ans, alors que moi, je croyais que c'était un tout bébé. Mais... c'est le but. Ouais, c'est vrai qu'il a... ça conserve. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre, Zoothérapie, le pouvoir thérapeutique des animaux chez Artaud, où vous racontez donc les vertus de cette pratique, d'où elle vient, comment vous y êtes mis, etc. Alors, on a énormément de questions à vous poser, parce que moi, en tout cas, je le découvre complètement ce sujet. Je pense que beaucoup de téléspectateurs sont dans mon cas. Déjà, vous l'écrivez, le but du livre, c'est de faire connaître tout simplement la zoothérapie. Alors, c'est quoi? Alors, la zoothérapie, c'est vraiment une relation d'aide qui nous permet en fait de mettre en contact des gens qui aspirent à gérer une souffrance, quelle qu'elle soit, par l'intermédiaire des animaux. C'est donc, pas forcément une maladie, ça peut être une souffrance psychologique. Exactement, exactement. Donc ça peut être très bien des enfants qui souffrent du trouble du déficit de l'attention, des enfants atteints d'autisme, mais pas seulement également. Vous dites dépression, anxiété, dépression, autisme, oui. Déficit d'attention, Alzheimer, les troubles alimentaires aussi, notamment chez les adolescents. Exactement. Et alors, question bête, mais qu'est-ce que les animaux vont apporter à, par exemple, quelqu'un qui a des troubles alimentaires? Eh bien, en fait, ça a été pour moi une toute première expérience, puisque je me suis confrontée quand j'ai eu affaire à cette personne qui souffrait de troubles alimentaires, en fait, devant un cas sur lequel je me suis sentie bloquée et où j'ai dû faire appel à d'autres zoothérapeutes. Parce qu'en fait, cette fille, là, au départ, ne me disait pas les vraies raisons de son mal-être. Et là où le chien a été très fort, c'est que Chico, il m'écoute au doigt et à l'œil. Et donc, pendant 3, 4, 5 séances, à chaque fois qu'elle lui demandait de faire quelque chose, il s'obstinait à ne pas vouloir le faire. Et donc, j'ai utilisé ça en me disant, mais qu'est-ce qui fait que Chico, selon toi, n'écoute pas ce que tu lui demandes? Et là, elle a fini par me lâcher le morceau, à me dire qu'elle avait un enfant qu'elle avait en fait presque abandonné, que son corps était déformé et qu'elle était tombée dans la boulimie. Et c'est tellement un mal de vivre qui était pour moi tout nouveau, et je connaissais des zoothérapeutes spécialisés dans le domaine, que je l'ai référé.
Les animaux sont surtout utilisés, si je peux le dire comme ça, avec des enfants ou aussi avec des adultes, avec tout le monde? Alors, c'est tout âge. Enfants, adolescents, adultes et aussi personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. Alors là, on voit votre assistant, c'est un très mignon petit chien, ouais. Mais vous avez eu plein d'assistants dans votre carrière, si je puis dire. Vous me dites si je me trompe, chien, chat, cheval, dauphin et perroquet? Exactement. En fait, au cours de ma formation, on m'a mis en relation avec ces animaux, puisqu'en fait, quand vous êtes zoothérapeute, il faut trouver l'animal avec lequel vous avez le plus d'affinité. Et au départ, moi, mon rêve d'enfant, c'était à l'âge de 10 ans, je veux travailler avec les dauphins et les enfants malades. Et j'ai quitté la France, hein, puisque je viens des Ardennes. C'est pas là que j'allais avoir des dauphins dans la maison. C'est vrai qu'il y en a rarement. Donc, il y en a rarement. Donc, en fait, je me suis dit, j'ai pas baissé les bras. On m'a dit, bien, un jour, il faut faire un doctorat si tu veux réaliser ton rêve. Et donc, je me suis expatriée au Québec, où j'ai en fait continué mes études, obtenu mon doctorat et décidé de faire cette formation. Québec, où c'est reconnu, bien plus utilisé qu'en France. Exactement. Alors, pour être très concret, vous dites, il ne suffit pas d'acheter, bien sûr, un animal pour que cet animal se transforme en thérapeute. Par exemple, si on a un proche qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, on ne va pas lui acheter un chien en lui disant, tiens, il va t'aider. C'est pas aussi simple que ça, il y a une formation animale. Alors effectivement, il faut faire très attention, il y a le concept de, au Québec, on va dire zoo-animation versus zoothérapie. Vous pouvez avoir un animal et aller dans des centres pour personnes âgées ou pour des personnes atteintes d'Alzheimer, mais ça ne fait pas de vous un zoothérapeute. Et là, il faut faire très attention. Puisque moi, en tant que zoothérapeute, ou en France, on va dire, intervenant par la médiation avec l'animal. J'ai une formation sérieuse, je dois faire des stratégies d'intervention, je dois écrire un rapport, je suis en contact avec l'équipe médicale, donc c'est un suivi thérapeutique. Donc on peut faire du bien, mais il faut faire attention. Il y a des charlatans dans le milieu du zoo? Malheureusement, comme le titre n'est pas encore réservé, que l'ordre professionnel n'existe pas, beaucoup de gens s'improvisent zoothérapeutes et c'est pourquoi aujourd'hui, les écoles sérieuses recommande pour intégrer l'école d'avoir déjà une formation dans le domaine médical ou social ou scientifique. Alors là, les familles qui nous regardent et que ça intéresserait, par exemple des familles qui ont un enfant autiste, qui nous regardent, comment on peut leur conseiller, vers qui ils doivent se tourner s'ils ont envie d'essayer la zoothérapie? Eh bien tout simplement, actuellement en France, alors il y a eu un grand essor puisqu'au Québec ça existe depuis plus de 30 ans. En France, ça a commencé en 2003. Il y a des annuaires qui sortent de l'Institut français de zoothérapie. Et sur la carte de la France, il y a des zoothérapeutes qui sont placés pour pouvoir répondre vous à leurs demandes. Institut national de la zoothérapie. Institut français. Institut français de la zoothérapie. Dernière question, vous racontez dans ce livre en détail comment se passe une séance, que c'est intéressant, notamment avec un enfant autiste, on va prendre cet exemple-là. La première rencontre, vous allez vous tenter d'observer le comportement du patient avec l'animal et inversement. Et vous dites qu'en fonction de la réaction de Chico, ça vous oriente beaucoup. C'est-à-dire que des fois, Chico va rester un peu collé à vous et parfois, il va s'ouvrir directement. Alors en fait, c'est une histoire qui m'a complètement bouleversée. C'était ma première intervention en tant que zoothérapeute. J'étais filmée pendant l'intervention. Il y avait le papa qui était de l'autre côté de la pièce avec je veux dire, celle qui devait m'évaluer, et j'avais la caméra qui me filmait. Et à la dernière minute, on vous donne en fait un rapport qui explique que la petite fille a 4 ans, qu'elle n'a jamais parlé et qu'elle est hyperactive. Et la porte s'ouvre, je me retrouve avec Chico, et là, elle se met à hurler et à courir vers mon chien, puisqu'un enfant autiste ne maintient pas le regard avec vous, j'étais complètement inexistant. Et là, j'ai pris la balle et d'entrée de jeu, je voulais protéger mon chien, puisque lui aussi, c'était une boule d'énergie. Et pendant 40 minutes, j'ai dit « Chico, va chercher, donne la balle, va chercher, donne la balle ». Et la fille courait après Chico. Ça m'a pris 40 minutes pour qu'elle se calme. Oh là, 40 minutes, c'est long. J'étais trempée de sueur. Ouais. Chico n'en pouvait plus. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu contre moi pour s'allonger. Par imitation, cette petite fille de 4 ans est venue, elle aussi, à côté de moi. Et là, on s'est regardé comme je vous regarde, droit dans les yeux. Elle a pris la balle. Et elle a dit « Chico va chercher ». Et elle n'avait jamais parlé. Le père a complètement interrompu la séance. Il est rentré et pleurait. Il n'avait jamais entendu la voix de sa fille auparavant. Et incroyable. Ça a pris 40 minutes. Incroyable. Très, très belle histoire. Parmi d'autres, parce qu'il y en a plein dans ce livre, Marie Père Arnaud, qu'on appelle le petit bichon maltais de cette émission. Aux yeux d'or. Le bichon maltais aux yeux d'or. Alors, il y a eu plein de réactions quand on a lancé sur la page Facebook de l'émission les sujets qu'on allait aborder dans les jours à venir. Il y a eu plein de questions, plein de réactions que Marie vous transmet maintenant. D'accord, voilà. Avec plaisir. Alors, oui, si ma page s'affiche. Ah oui, la page est noire, là, c'est un conseil. Voilà, c'est un conseil. Non, mais je me suis souvenue de la première question que j'ai lue. En fait, c'est pour savoir si un type de pathologie correspond à un type d'animal. Par exemple, est-ce que le cheval va être plus propice à soigner ou en tout cas à aider un enfant atteint d'autisme? Ou voilà, est-ce qu'on peut. Alors, ce qui
ce qui est très intéressant, c'est que dépendamment de la psychologie du cheval, effectivement, on peut déterminer des gens comme les autistes. Vous savez que les autistes ont de la difficulté à maintenir un regard prolongé, maintenu. Pareil pour le cheval. Le cheval, c'est une proie. Il faut l'apprivoiser. Et donc, voilà. Et pour la rééducation physique, les chevaux vont être très, très. Enfin, je dirais même les premiers à être recommandés. Moi, avec Chico, j'aurais du mal à. Pour la rééducation physique. Oui. Donc, les perroquets, ça va plutôt être pour... pour la parole, ah effectivement, oui. Puisque ce sont les seuls animaux qui, à la fois, parlent notre langue, on va dire, mais aussi le langage d'autres animaux. Ah oui. Et quand vous allez dans des foyers pour jeunes délinquants, c'est un facilitateur de communication. D'accord. Il va attirer par ses couleurs flamboyantes et donc les jeunes qui ont du mal est-ce à parler. Est-ce que Chico, ça crée la cohésion? Ça crée de la cohésion. Est-ce que Chico peut nous aider à réparer la tablette de Marie? Avec sa patte. Alors Chico. Non, Zoé voudrait savoir si la zootherapie est prise en charge, ou il y a une partie prise en charge par la sécurité sociale ou pas encore. Alors pas moi je vais plutôt parler pour le Québec, oui. Puisque on est plus au Québec. En fait, on peut souscrire à ce qu'on appelle la naturothérapie et certaines mutuelles remboursent les frais. Des soins. En France, on n'est pas encore là. Luce, son fils a peur des agneaux. Est-ce que justement la zoothérapie peut l'aider à vaincre? Est-ce qu'on peut être dans un... Comme on va faire des stages contre la peur de l'avion, est-ce qu'on peut... Alors, ce qui va vous étonner, c'est dans le livre, j'en parle, c'est peut-être le témoignage qui m'a le plus touché. Arthur, enfant Asperger de 7 ans, qui a la phobie des chiens, qui, dès qu'il voit un chien à 300 mètres, se jette sous une voiture, puisque pour lui, le danger, c'est le chien, pas la voiture. Donc, pour la mère, c'est un véritable enfer. Ne peut plus faire de vélo, ne peut plus sortir sa petite fille, ne peut plus aller au cinéma. A réussi à me contacter et elle vient du Havre, elle est venue me voir dans le sud de la France. Une heure après, Chico était sur le genou d'Arthur. Et aujourd'hui encore, je reçois des messages de cette maman qui dit « Vous avez sauvé la vie de mon garçon. » Voilà. En l'espace d'une heure. Et ça, c'est dans le livre. Et je les embrasse s'ils m'entendent parce que c'était une histoire qui m'a bouleversée. Donc oui, à votre question, on peut soigner la phobie des animaux avec la zoothérapie. Merci, c'est passionnant. Je dois vous dire que de premier abord, j'étais plutôt sceptique sans trop y connaître. Et après la lecture de ce livre, je ne le suis plus du tout. Zoothérapie, le pouvoir thérapeutique des animaux, c'est chez Arto. Merci beaucoup. Institut français de la zoothérapie, si on veut se renseigner. Exactement, en France, mais il y en a d'autres aussi. Vous avez Unanima, depuis ces 5 dernières années. Si vous allez sur Internet, vous en avez de plus en plus. Mais je recommande à tous les gens qui voudraient avoir recours à la zoothérapie de s'assurer que les zoothérapeutes sont des médecins ou des gens qui ont déjà une formation dans le médico. Le message est bien passé, voilà. Ouais. Surtout, faites attention. Charlatan. Merci beaucoup, José Sarica. Merci à vous. Qui a dit qu'une femme enceinte ne pouvait pas rester élégante, Benjamin? C'est vous qui avez dit sûrement ça? Sûrement pas moi, sûrement par nous. Regardez Beyoncé. Beyoncé enceinte de jumeaux, je vous le rappelle, elle vient de mettre en ligne une photo d'elle qu'on voulait vous faire partager. Voilà, pour vous dire que la grossesse, comment dire, c'est on pas peut même se prendre 30 000 volts. Regardez, c'est totalement inoffensif. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, quitte à être un peu tchiquitou. Voilà, c'est gratuit, on voulait le faire. Comme ça. Alors maintenant, mesdames et messieurs, une vidéo qui n'a absolument rien à voir, ni avec notre sujet, ni avec notre émission. Ni avec rien du tout. Rien. Agathe, avez-vous déjà vu un coq courir avec des baskets? Mais évidemment, Benjamin, que évidemment. Eh bien, dorénavant, vous pourrez dire que vous en avez vu un vrai. Regardez cette vidéo. Qui effectivement n'a peu de rapport avec notre émission, mais je ne sais pas pourquoi on a marqué. Je comprends. Ce sont des enfants qui se sont amusés à mettre des baskets à un coq, et ce sont ses premiers pas. Je ne sais pas si on peut faire de la zoothérapie avec les coqs, mais. Marie, elle est sympa parce qu'elle essaye de relier au thème de l'émission. C'est les premiers pas, tout ça, la motricité. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas, mais j'ai adoré. Et pourquoi, moi, j'en ai. Et pourquoi pas? Oui, c'est ça. Pourquoi pas, on va la repasser de temps en temps. Mieux tes coordonnées, hein, si jamais. Bienvenue chez les fous. Ah, voilà. On est très bien. On reste dans le people avec un anniversaire, a birthday, a so chic birthday. Oui, quand on a 2 ans, ça se fête, non? 2 ans, c'est important comme âge. Eh bien, ça tombe bien. Il y a quelques jours, le couple princier d'Angleterre a fêté l'anniversaire de leur fille, la princesse Charlotte. Ses parents, sympas, ont même posté une photo sur les réseaux sociaux pour l'occasion. Regardez Charlotte, comme elle est belle. Mignonne, ça, on est d'accord, c'est elle ressemble à George. Elle ressemble à George, tout à fait, mais pas que. Des internautes, en voyant cette photo, se sont dit qu'elle ressemble à quelqu'un d'autre. Regardez, à la reine Elisabeth. Alors non, ça c'est la reine aujourd'hui, donc ça va pas. Il faudrait comparer avec une photo de la reine au même âge. Et effectivement... ça vous saute pas aux yeux, vous? Oh non, pas du tout. Moi, ça me saute aux yeux que c'est un beau mélange des parents et qu'elle ressemble à Georges. Ok, bah écoutez, très bien. Non, je vois pas. Écoutez, je m'insurge. Hein, c'est Magouille et compagnie. Arrêtez, madame Caron. Arrêtez, monsieur Muller, c'est n'importe quoi. Bientôt l'été. Merci. Je vous en prie. J'ai adoré le coq. Ah, le coq, c'était vraiment le climax. Bravo, c'était fantastique.
Alors c'est bientôt l'été, c'est la grande saison des déménagements. Si vous voulez savoir comment préparer vos enfants, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un vrai chamboulement pour les enfants. Bah, sachez que vous pouvez réagir toujours sur la page Facebook, sur Twitter. On regardera vos commentaires et je rejoins mes invités. Une mutation professionnelle, la famille qui s'agrandit, un nouveau départ dans la vie. Environ 10% des ménages changent de domicile chaque année, ce qui implique pour les petits qui vont changer de nounou ou d'école, bah, quitter leurs copains, quitter leur chambre, et évidemment une inévitable perte de repères. Comment les préparer en douceur à un déménagement? Comment les associer aux préparatifs? Leur donner envie d'aller vers leur nouvelle vie? C'est ce que nous allons voir avec deux mamans qui ont vécu un déménagement et qui ont des enfants qui l'ont pas forcément bien vécu. Gaëlle, d'abord, bonjour Gaëlle. Bonjour. Gaëlle, vous êtes la maman d'Alexandre qui a 7 ans, de Damien qui a 2 ans et demi. Alexandre, donc votre aîné, bah, il a encore des difficultés à accepter le fait d'avoir déménagé il y a 1 an et demi. Il faut dire que vous avez quitté Orléans pour Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Donc un gros changement. Merci de venir de Thonon pour nous raconter tout ça. À vos côtés, il y a Élodie. Bonjour Élodie. Élodie, vous êtes la maman d'Agathe qui a 3 ans et de la toute petite Romane qui a 1 mois. Vous avez fait de la rétention de Romane. Oui. Ça, vous ne m'avez pas amené Romane. Non. Ça, ça va pas du tout. Vous savez que moi, il me faut des bébés, mais sinon, ça va pas. Vous avez déménagé sans changer de quartier, sans changer d'école. Ça n'a pas empêché Agathe de se sentir un petit peu perdue. Oui. Merci de venir nous voir d'Angers pour nous raconter ce qu'a ressenti Agathe. Et puis, pour que nos enfants vivent au mieux cette étape. Fabrice Bach, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue. Vous allez nous donner toutes les clés. Merci de revenir nous voir. Vous étiez déjà venu nous parler, et on s'en souvient très, très bien, de l'ennui chez les enfants. La question qu'on se posait, c'était est-ce qu'il faut laisser les enfants s'ennuyer? Je vous invite à regarder cette émission sur YouTube, c'était super. Alors Gaëlle, il y a 1 an et demi, vous avez dû déménager, c'était suite à la mutation de votre conjoint. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc vous habitiez à Laye-en-Val, à côté d'Orléans. Et vous avez dû aller à Thonon-les-Bains. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le papa, dans un premier temps, n'était pas trop là? Alors papa est parti 4 mois pour faire sa période d'essai, et puis le temps de trouver un logement sur Thonon. Et puis bah, après, on a réussi à regrouper toute la famille, mais il y a eu... Un premier chamboulement, on va dire. Oui. Quoi. Le papa un petit déjà, peu loin. Déjà, papa parti, c'était déjà très dur pour le petit. Moins ouais. pour le grand que pour le petit. Mais... Donc Alexandre, ça allait encore à cette Ça allait période. Encore. Alors comment est-ce que vous avez annoncé à vos enfants que vous partiez? Alors on leur a annoncé bien en amont, facilement 1 an, début d'année 2015, pour qu'ils soient bien préparés. Mmh. On leur a annoncé en leur montrant, en visualisant les choses... Vous a montré des photos? Alors, on a montré des photos, on a pris une carte de la France, on a mis là où était la maison, et là où papa allait arriver, et là où nous, on devait arriver aussi à la fin, et pour qu'ils visualisent un peu. On est allé en vacances aussi là-bas, pour voir, visiter la région. Voir le beau lac. Exactement, voir les montagnes, parce que bah, nous, on n'avait pas tout ça chez nous, donc... Non. Vous avez essayé de vendre un petit peu l'endroit, quoi. Exactement. Alors, Élodie, chez vous, le déménagement s'est passé en 2 temps, c'est bien ça? Oui, oui. Donc, on a déménagé fin janvier, mais on n'est pas allé dans notre nouvelle maison tout de suite. On est allé chez mon papa en attendant, puisqu'on a acheté une maison avec travaux. Mm-hmm. Donc, pour Agathe, c'était difficile aussi de réussir à visualiser où est-ce qu'on allait aller. On précise que donc vous vouliez qu'elle ne change pas trop de quartier. Non, voilà. Nous, pas d'école. Voilà. Le plus important, c'était qu'elle garde l'école dans laquelle on l'avait inscrite, puisqu'elle est rentrée au mois de janvier, et la même nounou. Alors, comment est-ce que vous lui avez expliqué ce changement? Alors, on l'a surtout emmenée en fait en visite dans la maison. Et puis, après, on a essayé de... avec nos propres mots, de lui montrer qu'on allait faire des cartons et qu'on allait s'en aller. Donc, lui avait dit qu'elle allait avoir une nouvelle chambre et voilà. Tout, que ce serait mieux, plus grand, plus voilà, chouette. Donc quand on a visité la maison, on lui a fait choisir sa chambre, on l'a investi dedans, on lui a fait choisir sa chambre, on lui a montré qu'il y avait un grand jardin, puisqu'on quittait une maison où il n'y avait pas du tout de jardin. Donc un jardin dans lequel bah, elle pourrait vraiment s'épanouir et jouer. Sauf et elle, elle disait quoi? Voilà, sauf que sur le coup, comme c'était une maison avec travaux, sa réaction, ça a été que la maison était moche et que
Voilà, c'était pas... Raté, quoi. Ouais, voilà. On s'est raté. Fabrice Bach, qu'est-ce que ça représente, un déménagement pour un enfant? C'est beaucoup plus qu'on le croit. Hein. Ah oui, c'est un bouleversement gigantesque. Déjà, il faut avoir en tête qu'il y a deux cadres de déménagement. Le déménagement pour une évolution professionnelle ou un changement de maison. On va aller dans une maison plus grande. Et malheureusement, parfois, un déménagement parce que la famille va se séparer. Donc là, on a déjà deux cadres totalement différents. Mais l'axe central qui va rester, c'est comment les parents vont investir le déménagement et comment ils vont permettre à leur enfant d'être aussi présent pendant ce déménagement, avec aussi certaines limites. Alors, mais à quel moment on doit l'annoncer, par exemple, qu'on va déménager? Alors déjà, lorsqu'on est sûr, lorsque c'est une éventualité, on va éviter. Puisque l'enfant, déjà, lui, n'a pas conscience. Il dit, ben oui, où, comment, ben on ne sait pas. Le « je ne sais pas » pour un enfant, ça n'existe pas. On est toujours, en tant que parent, les guides. Donc, on va être sur des axes très précis. Donc, dès que l'on sait que l'on va partir, on va commencer à en parler à l'enfant. Et on va, en plus, là aussi, si c'est pour une nouvelle maison, l'associer en disant, ben voilà, la nouvelle maison où on va aller. On va lui montrer, matérialiser les choses. C'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, le plus possible, être concret. Ah, tout à fait. Gaëlle, comment Alexandre a réagi quand vous lui avez annoncé que vous alliez déménager? Sauf que vous, ce n'est pas un petit déménagement. Non, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Déjà, il ne comprenait pas... Le changement, il a eu du mal à accepter le fait que papa parte, donc ça a été compliqué. Il a demandé plus d'attention, il était beaucoup plus... Vous avez le sentiment qu'il a changé, vraiment? Ah oui, il a changé. Il était déjà suivi à l'école pour être une gestion de la frustration qui était assez difficile, mais là, tout a été exacerbé. Il était très angoissé, il y a eu des pleurs, des cris, il a eu besoin d'en parler à tout le monde, papy, mamie, tata, tonton, enfin, tout le monde a eu... Enfin, il a eu besoin de... Qu'est-ce qu'il disait à papy, mamie, alors ? Qu'il ne voulait pas partir, qu'il voulait rester à la maison, que c'était sa maison, sa chambre. Gros sanglots ? Oui, de gros, gros pleurs, de grosses angoisses. Ouais, ça a été difficile. Élodie, est-ce qu'Agathe a changé, alors, après que vous lui avez dit que vous alliez déménager ? Alors, elle a changé quand on est parti, en fait. La nounou a vu une évolution différente. Une petite fille qui est un peu plus autoritaire avec les autres enfants, un peu plus, effectivement, à fleur de peau, vraiment. Et puis, avec moi, une forme de « fallait pas du tout que je m'en aille ». Dès que j'allais, ne serait-ce que faire les courses, sans elle, ça partait en pleurs, alors qu'elle nous avait jamais fait ça. Enfin, c'était une petite fille que l'on pouvait donner entre guillemets à tout le monde, et là elle était bloquée sur moi, quoi. Alors là, vous venez de comprendre pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet qui a priori a l'air de rien. Quand on a préparé cette émission, c'est vrai que dans la rédaction de la Maison des Maternelles, plein de gens qui allaient déménager se disaient « Oulala, moi j'ai pas du tout anticipé ça ». Comment est-ce que vous avez préparé Alexandre, vous, Gaëlle ? En le faisant participer au déménagement, en l'aidant à faire, en m'aidant, en lui faisant ranger, enfin déménager sa chambre, en fait, en oui. préparant les cartons. Je sais que plusieurs fois on a eu même, enfin, pour dédramatiser, en fait, on a même eu des jeux avec le carton, notamment parce que je suis une grosse lectrice, donc des cartons de livres assez gros, et donc on s'amusait à jouer avec le Tetris pour les ranger. Donc c'était ludique, c'était marrant, et puis bon, il y en a un, malheureusement, maman a trop rempli, et puis patatras, et là... Donc ça vous avez rigolé un petit peu. Voilà, on a trouvé le petit truc à rire. Vous l'avez aussi organisé une fête de départ? Oui. Alors comment ça s'est passé? Disons que ça s'est très bien passé parce qu'il était très content d'avoir tous ses copains et copines avant le départ. Une grosse gestion pour maman parce que 20 petits bonhommes... Et alors quand il s'est agi de dire au revoir? Il y a eu des larmes, il y a eu des pleurs, il y a eu des copains aussi qui, eux, de leur côté, perdaient un copain, donc ça n'a pas été forcément évident aussi, mais bon. Les adieux déchirants. Oui. Fabrice Bach, les fêtes de départ, les associer, les enfants au carton, alors bonne ou mauvaise idée? Alors, il faut être... A priori, moi je dirais bonne, mais... Pas forcément. Ah. Pas forcément. J'aurais fait pareil. Hein. Mais beaucoup de parents le font, et il faut être très vigilant. L'enfant a besoin d'un continuum. Et en fait, c'est vrai que pour nous, en tant qu'adultes, faire une fête de départ, c'est sympathique, on dit au revoir aux gens. Pour un enfant, c'est véritablement, on lui signifie à ce moment-là une rupture. Voilà tous les gens que tu ne verras plus. C'est une petite mort, quoi. Tout à fait. Donc émotionnellement, il peut très mal le vivre. C'est vraiment un choc pour lui. Comme à un moment donné, un enfant, lorsqu'il est confronté pour la première fois à l'idée de la mort, c'est quelque chose qui est impensable pour lui. Mmh. On vit tout le temps, on meurt quand on est très vieux, très 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 vieux. Avant, c'est pas possible. Donc effectivement, ces fêtes de départ, attention par rapport à ça. Et les cartons ?
Alors les cartons, tout dépend lesquels. Ceux de sa chambre, on va peut-être éviter. Pourquoi ? Parce que vous mettez d'un côté, lui, il défait de l'autre. Parce que sa chambre, il n'a pas forcément envie de ranger sa chambre. Par contre, des cartons dans la maison ailleurs, ça peut être possible. Il faut véritablement cibler les choses. Toujours avoir en tête que l'enfant a besoin de ce continuum. La vie va continuer, elle va se poursuivre différemment et pas l'amener à envisager qu'il va y avoir une rupture d'un seul coup. S'il ne fait pas les cartons, c'est très intéressant de l'amener à les défaire. Parce que là, on va retrouver des trésors. Non, là, ouais. Ça peut être très sympa. Ça, c'est très rigolo, ça. Ah, on oui. avait oublié certains jouets et hop, exactement. On les redécouvre. Élodie, vous avez associé Agathe au préparatif du déménagement? Oui, bah, comme vous venez de le dire, nous, on a fait participer pour les cartons. J'ai eu exactement la même réaction. Donc, je mettais, ça ressortait. Voilà. On l'a associé également en allant dans la maison régulièrement, puisque comme c'était une maison avec travaux... On pouvait y avoir accès quand même souvent, donc le dimanche, on essayait d'y aller pour lui montrer l'avancée des travaux. Mon conjoint prenait des photos aussi de sa chambre qui évoluait au fur et à mesure, lui montrer que bientôt, ça allait être fini. Donc oui, on l'a fait participer un maximum là-dessus. Quoi. Et puis là, il a fallu chez vous donc, gérer une étape intermédiaire, parce que comme il y avait des travaux, du coup, elle s'est installée chez ses grands-parents. Oui, voilà. Donc on a été vivre chez mon papa, pendant 2 mois. Et du coup, bah, à la fin, c'est le problème inverse, c'est qu'elle ne voulait plus partir. Ouais. Donc, voilà. Oui. Au bout de 2 mois, on prend un petit peu, finalement, une routine. On s'habitue aussi à la personne qui est là. Mon papa a un chien et s'est énormément attaché au chien. Et quand il a fallu refaire les cartons, parce que du coup, on lui avait recréé sa chambre, exactement la même chambre chez mon papa, quand il a fallu remettre les choses dans les cartons, là, ça a été compliqué. Second bouleversement. Ouais. À 4 ans, Anna vit aussi un déménagement par étapes, elle. Parce qu'il y a 3 semaines, elle a quitté Casablanca au Maroc, où elle vivait avec ses parents et son petit frère. Direction Tours, où la famille doit bientôt emménager dans son nouvel appartement. Ils n'y sont pas encore. Comment aider la petite fille à faire le lien entre sa vie d'avant et sa vie d'aujourd'hui? C'est un reportage de Fleur Mongibaud. Anna a 4 ans. Aujourd'hui, elle découvre le nouvel appartement dans lequel elle va emménager prochainement. Là, c'est la cuisine, là, c'est le salon et là, c'est la terrasse. Avec ses parents et son petit frère Joseph, ils arrivent tout juste du Maroc, où ils ont vécu pendant 2 ans. Il y a encore beaucoup de choses au Maroc. Il y a encore tout notre conteneur dans lequel il y a nos meubles et tous nos cartons. Enfin, le gros du déménagement n'arrivera que d'ici 15 jours. Donc, du coup, on attend patiemment. Là, on pourrait mettre dedans, là aussi. Les enfants ont l'air contents de découvrir leur nouvel endroit de vie. Ça fait plaisir à voir. Les tout premiers cartons viennent d'arriver. Anna s'empresse de les ouvrir. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Tu te rappelles ce qu'on avait mis dedans? C'est quoi ça? C'était lettres. C'est mes lettres. C'était lettres de ton prénom. Ça, c'est les lettres. Donc, je vais les coller. A. Ah, après, ouais, vas-y. A. Mon prénom. Ça y est, t'es chez toi. Ce déménagement, Marion l'a préparé consciencieusement pour que la famille s'adapte au mieux à ce changement. Pour préparer le déménagement, on a ensemble avec Anna fait quelques cartons où on a mis les objets qu'on affectionnait particulièrement, les petits coussins, les couvertures, pour le côté un peu cocooning. Et puis après, on est passé à la partie jouets pour eux, pour qu'ils retrouvent leurs repères et retrouvent les jeux qu'ils aimaient bien. Comme on est un peu en déroute en ce moment, bah du coup, ça nous fait du bien, quoi. Ça nous fait chaud au cœur de retrouver ce qu'on aime le plus. Une situation nouvelle à laquelle les enfants s'adaptent dans la bonne humeur. Mais en attendant de pouvoir emménager, la famille habite provisoirement dans un petit appartement meublé. Anna, plutôt jambon ou poulet ? Jambon, saucisse. Dans cet espace réduit, Marion organise le quotidien comme elle peut. C'est pas évident du tout quand on n'est pas chez soi parce qu'on n'a pas les mêmes repères. Faut tout réapprendre à faire. Et ça, c'est casse-pied au début. Vivement qu'on soit dans notre nouvel appart et qu'on ait nos habitudes, un peu plus de routine. Parce que vraiment, vraiment ça nous manque. Ça nous manque beaucoup. Tiens, Anna, tu peux me servir, Joseph, s'il te plaît. Attends, mets-lui de la bouffée un peu aussi.
Le déjeuner terminé, c'est l'heure de la sieste pour Joseph. Dans cette chambre qu'il partage avec sa sœur et ses parents, le petit garçon n'a pas ses repères et il a du mal à trouver le sommeil. Avec tous ces changements-là, il a un peu de mal à se recaler sur des siestes. Ou alors il faut vraiment que ce soit calme, qu'il n'y ait personne. Quand il n'y a pas sa sœur, quand il n'y a pas de sources extérieures aussi d'excitation. Mais sinon, ouais, c'est compliqué encore, hein, les siestes. Ça y est, j'ai réussi à endormir Joseph. Est-ce que ça te dit qu'on regarde des photos du Maroc? Déménager, un grand bouleversement pour Anna. Pour lui permettre de vivre au mieux cette situation, sa maman lui propose régulièrement de se remémorer les bons souvenirs de leur vie au Maroc. Là, si vous pouvez rentrer par là. Ouais. Mais ça, c'était quoi, là? Le jardin. Le jardin. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas comme copain, comme copine? C'est qui t'allais jouer? Lana. Ouais, il y avait Lilia aussi. Lilia. Quand c'était son anniversaire, il y avait Shahin. Le Shahin. T'aimais bien Shahin. Ouais. C'était ton copain? Ouais. Ça fait partie de notre vie maintenant et comme on a passé des bons moments là-bas, c'est chouette de réévoquer le passé, les endroits où on est allé au Maroc. Je pense que c'est super important effectivement de regarder ces photos. Les palmiers de Casablanca leur semblent bien loin, mais dans leur nouvel environnement, les enfants s'amusent tout autant. Une petite photo pour leurs amis du Maroc. On l'envoie à qui cette photo? On l'envoie à Marie-Ève et à Olivia, au copain. Ouais. Allez, c'est parti. C'est bon. Pour Marion, il est important de garder le lien avec eux. Je voulais pas effectivement que la rupture soit trop brutale entre ce qu'on vivait au Maroc et notre arrivée en France. C'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'il y ait ces contacts par téléphone, par message, par photo. Parce que même ceux qu'on a quittés, ils sont tristes de nous avoir vus partir et nous aussi, on est super tristes de les avoir quittés. Marion a fait le choix d'accompagner en douceur les bouleversements liés au déménagement. Joseph et Anna sont prêts à prendre un nouveau départ. On embrasse très très fort Marion, Joseph et Anna. Quelle belle famille, ils sont tous d'une beauté, je sais pas, il y a un truc quand même. Fabrice Bach, comment est-ce qu'on associe alors au maximum ces enfants au déménagement sans pour autant passer par la case carton? Alors déjà, lorsque le déménagement, les parents le décident, ils vont commencer à parler à l'enfant très très vite. Et comme on le disait tout à l'heure, véritablement matérialiser les choses. Mmh. Où est-ce qu'on va aller, lui montrer l'école, où il sera, la future école, la future maison ou appartement où il sera. Ça, c'est quelque chose de très important. Qu'il ait, comme toujours en tête, ce continuum. La vie va continuer, mais ailleurs. Toujours avec papa et maman, dans le cas d'une mutation ou d'un changement de maison, d'appartement. En tout cas, une séparation, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais toujours est-il qu'associer l'enfant, non pas forcément aux décisions parentales, une chose à éviter, par exemple, on va dans le nouvel appartement, quelle chambre tu veux? Pas forcément. On est surtout bien embêté s'il dit celle-là, la plus grande, celle qu'on voulait prendre nous. Et exactement. Et là, on va lui dire non. Déjà, ça démarre mal. Par contre, on va lui montrer, tu vois, tu auras cette chambre. Comment est-ce que tu veux qu'on la range? D'accord. Alors, on fait participer à la décoration, alors. Par exemple, à la décoration. Pas forcément au choix des meubles, parce que là aussi, ça va être un peu embêtant. Lui n'a pas forcément conscience de la taille de la pièce. Mais comment on va placer les éléments? Où est-ce qu'on va les ranger? Comment on va la décorer, cette chambre? Oui, là, c'est intéressant. Alors, s'il y a un changement d'école? Alors, si possible, ce qui est très intéressant, c'est commencer à lui montrer donc la nouvelle école de l'extérieur. Et souvent, ce qui est intéressant maintenant, notamment en primaire, ce que font les directeurs ou directrices d'école, ils proposent de venir passer une journée dans l'école pour que l'enfant s'acclimate au nouveau cadre. Ça, c'est vraiment super. Ouais, ça, c'est vachement bien. Élodie, vous avez essayé d'habituer un petit peu Agathe aussi à son nouvel environnement avant le jour J? Oui. Nous, on a voulu plutôt reproduire en fait la même chambre. Donc en fait, on a repris exactement les mêmes éléments, que ça aille de la commode au tapis, au rideau, pour vraiment qu'elle se sente comme avant, mais dans une nouvelle chambre. Et après, on y allait, je vous dis, tous les dimanches. L'idée, c'est de faire la même chose, mais en mieux, parce qu'il y a le jardin, c'est plus grand, et tout ça. D'accord. Oui, oui. Gaëlle, finalement, donc, le jour J arrive, il faut s'installer dans sa nouvelle vie. Comment ça s'est passé, l'installation, alors? Un gros déménagement, obligé de laisser les enfants à mamie et tata, parce que 600 km nous séparent des deux adresses.
On a récupéré les enfants après le déménagement, juste après le nouvel an. Et alors Alexandre était dans quel état ? Bah, curieux de cette nouvelle maison, cette nouvelle chambre, tout ce qu'il pouvait y avoir dans le coin. Et puis une fois le choix de la chambre faite, nous, pour le coup, bah, on l'a laissé choisir entre deux, mais au moins on lui a laissé choisir. Après, bah, on a vu, les questions sont revenues, où est l'école, comment on y va, où papa y travaille. Et on a vu recommencer l'angoisse, les questionnements, oui, une inquiétude. Alors Élodie, Agathe, elle a dû quitter donc sa deuxième maison, sa maison de transition, celle de votre papa. C'était un second déménagement, oui. Second chamboulement. Oui, là on a eu beaucoup plus de questions. Finalement, quelle était réellement sa maison ? Est-ce qu'on allait retourner chez papy ? Parce que finalement, son souhait, c'était de retourner vivre avec papy. Papy Gégé. Voilà, exactement. Et c'est tout, moi. Là, pour le coup, elle était perdue, en fait, entre les deux. La transition étant pas très longue, 2 mois, elle a quand même eu le temps d'investir les lieux. Et il y a eu un moment donné où c'était compliqué de rentrer dans la nouvelle maison. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut que les enfants soient présents le jour du déménagement ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Ça, c'est un vrai choix. Le jour du déménagement, pas forcément. Effectivement, parce que là, ça va brasser énormément. Voilà, il y a beaucoup de gens qui s'activent. Et l'enfant n'a pas forcément sa place à ce moment-là. Puis les parents aussi sont très actifs et préoccupés par beaucoup de choses. Par contre, effectivement, à ce moment-là, les grands-parents ou la famille peut être là pour les accueillir pendant un temps. Ce qui est par contre très intéressant, c'est de leur faire voir l'évolution. On peut prendre des photos maintenant, merci téléphone portable, on peut leur envoyer. Regarde, on met dans le camion, ça y est, le camion est fermé, il arrive de l'autre côté, etc. Donc ils le vivent, ils le voient à distance. Maintenant, lorsqu'il y a cet élément de transition, parfois où l'enfant va être chez les grands-parents pendant 1 mois, 2 mois. Il est aussi important d'associer les grands-parents au nouveau départ et de lui mettre une temporalité. Tu vas être chez papy et mamie pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et à telle date, on peut mettre un petit calendrier, on va repartir. Sans quoi, lui, c'est pas... C'est pas mal le calendrier, ça, tous les jours, de dire voilà, il reste autant de jours. Et ça, c'est papy et mamie qui vont s'en occuper de ça. Et qui vont aussi accompagner l'enfant dans la nouvelle maison, avec les parents, etc. Donc toujours associer les grands-parents avec les parents lorsqu'il y a eu cette phase de transition par cette maison grand-parentale. C'est toujours aussi difficile pour Alexandre aujourd'hui ou pas ? Ça va un peu mieux. Mais ça reste... Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour qu'il s'adapte un peu mieux ? Bah, nous, on a été, enfin, moi, il a été pris en charge par un pédopsychiatre parce qu'il avait besoin de parler, parce que. Il a même somatisé, hein ? Oui, l'énurésie est continue et elle est encore aujourd'hui. L'énurésie, donc, c'est pipi au lit. Pipi au lit, malgré l'âge qu'il a. Alors, le médecin m'a bien indiqué que ça n'était pas du tout physiologique, mais bien psychologique, que le deuil de son ancienne maison n'était toujours pas fait et qu'il lui fallait malheureusement du temps et des explications, le laisser le temps de grandir et de digérer. Ça fait combien de temps ? Ça fait 1 an et demi ? Ça va faire 1 an et demi. Ouais. Ça va faire 1 an et demi. Et là, il commence à se faire des copains un petit peu ? Il s'est fait des copains. Donc là, il commence à... On fait des sorties, des choses... Mais de temps en temps, ça revient. Ah, mais à la je pouvais faire ça. Ah, puis... Bah oui, mais maintenant, c'est plus l'AI, c'est ton nom. Et... Okay. C'est dur, hein ouais. Est-ce que Agathe s'est habituée à sa nouvelle maison, alors ? Là, on va dire que la première nuit ou la première semaine a été un peu compliquée. Voilà, en plus, je venais d'accoucher. Voilà. Oui, c'est double chamboulement. Voilà, voilà. Donc, la première nuit a été difficile pour Agathe. Effectivement, il a fallu... des choses qu'elle ne nous avait jamais demandées, comme laisser la porte ouverte pour nous entendre, mettre une veilleuse, regarder s'il y avait un monstre sous le lit, des choses qu'on n'avait jamais eu de soucis, ce genre de questionnement avant. Et puis, en voyant que nous, on était bien, on ouvrait les cartons, ça aussi, retrouver des jouets qu'on avait oubliés. Donc, les fameux trésors. Voilà, aujourd'hui, ça se passe très bien. Et je pense que la première chose qu'elle a dit en revenant des vacances scolaires à ses copains et copines, c'est qu'elle avait une nouvelle maison et qu'elle était bien. Fabrice Bach, quelles peuvent être les conséquences pour un enfant de ces changements ? Ça peut être vraiment violent ? Ça peut être très violent. Certains traumatismes peuvent émerger. Donc, ce qu'on va retrouver derrière, troubles du sommeil, troubles du comportement alimentaire, irritation, énervement plus marqué. Et effectivement, un enfant qui peut refuser cette nouvelle maison, ce nouvel appartement, ce déménagement. Parfois, ce qu'on retrouve aussi derrière, c'est aussi des parents qui ont peut-être eu du mal à vivre ce déménagement pour différentes raisons. Et donc, l'enfant le sent.
C'est ça. Il est câblé émotionnellement avec ses parents et parfois il va ressentir des choses. Oui, même problème, hein, ce qu'on projette évidemment et on s'en Et donc on essaye de lui montrer que c'est joyeux, mais au fond de soi, c'est pas forcément le cas et l'enfant va le sentir. C'est ce qui peut l'amener aussi à avoir une difficulté à s'investir dans le nouveau cadre. Et à partir de quand on fait comme Gaëlle et on va consulter ? À partir de quand on s'inquiète ? Alors, paradoxalement, ça peut être fait assez rapidement. Au bout de 15 jours, 3 semaines, si l'enfant a du mal à trouver ses repères et on est confronté à différents problématiques comportementales qui commencent à s'accroître à la maison, à l'école, etc. Pas hésiter à faire quelques entretiens, parfois 3-4 entretiens et c'est suffisant. Très bien, c'est noté. Marie, vous avez des bouquins à nous montrer pour nous aider. Moi aussi, je déménage, donc ça m'intéresse. C'est vrai que Marie déménage. Il y en a plein d'ailleurs qui déménagent dans la maison des maternelles. Et donc, du coup, quittons ton nom. Voilà. Oui, alors beaucoup de livres pour accompagner les enfants pendant les déménagements. Lenny et Lucie, avec un petit garçon qui emménage dans une nouvelle maison qui fait flipper. L'occasion de rappeler qu'un déménagement, ce sont aussi de nouvelles rencontres et de belles aventures. Voilà. Ensuite, la star. Merci beaucoup. La star des déménagements. Alors celui-ci, il est super. C'est un petit garçon en fait qui présente sa maison à vendre puisqu'il va déménager. Il est très poétique et donc il fait le tour de sa maison en présentant les différentes pièces à vendre, grenier avec plein d'aventures, à vendre cuisine qui sent bon la tarte aux fraises. Il est très poétique et il est vraiment superbe. Voilà. Et le fameux « Je ne veux pas déménager » de Simon qui ne veut absolument pas déménager. Il s'en fiche d'avoir une nouvelle maison, il s'en fiche d'avoir une nouvelle chambre. C'est naze. Par contre, quand son petit frère Gaspard commence à être triste parce que lui non plus il ne veut pas déménager, il sait trouver les mots pour le rassurer. Celui-là, il est vraiment super. On adore Simon. On adore Simon et Gaspard. Mais oui. Les vraies questions. Voilà, les questions qui étaient arrivées sur les réseaux. On vous écoute. Maëva s'inquiétait beaucoup des amis parce qu'il avait la crainte de son fils, c'était de ne pas se faire d'amis dans sa nouvelle ville. Est-ce qu'il y a des moyens de l'aider ? Est-ce qu'on l'inscrit au préalable à des activités ? Est-ce qu'on en fait un petit peu des caisses en invitant des nouveaux copains tout de suite ? Voilà. Alors voilà, j'allais dire, oui, on va en faire un peu des caisses, un petit peu plus. Notamment, on va beaucoup utiliser l'école et ce qui se passe dans le contexte de l'école. Généralement, déjà, les enseignants, lorsqu'un nouvel enfant arrive, sont très sensibilisés, vont aider à l'insertion. Et très rapidement, on va inviter des copains à la maison pour faire des choses, des activités, sortir, etc. Pour créer du lien. Exactement. Louis va emménager dans une nouvelle maison bien plus petite. Et il faut faire le tri dans les jouets. Et son fils refuse, évidemment, de jeter quoi que ce soit, même les jouets cassés. On fait ça en douce ? Alors, surtout pas en douce, parce qu'il va le repérer. Ah. Il est très fin là-dessus. C'était ma tactique, en fait. Oui, on va éviter. Par contre, ça peut devenir quelque chose de ludique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut faire de la place, pourquoi ? Non pas pour faire du tri et garder ou jeter, on va mettre des choses nouvelles aussi. Parce que quand il va grandir, il aura besoin de nouvelles choses et de nouveaux jouets. Et on peut tout doucement et très gentiment retirer les anciens, ceux qui sont abîmés, cassés, et remplacer avec quelques nouveaux. Tout de suite, ça devient beaucoup plus souple pour lui. Parce que faire du tri comme ça, c'est très difficile. Tout est bien, puisque tout a été bien un jour. C'est vrai. Mia a une fille de 5 ans qui n'arrive pas bien à dormir depuis son emménagement. Elle a peur des méchants arbres dehors. Comment pallier à ce sentiment d'insécurité qui arrive quand on change de maison, quand il y a des nouveaux bruits, des nouvelles habitudes à prendre ? Même nous, adultes, finalement, on a ce... Alors, on va jouer avec l'enfant. On va visiter la maison, on va la regarder le matin, le soir, on va faire le tour. Souvent, les arbres ont des ombres la nuit qui peuvent se projeter, qui peuvent inquiéter l'enfant. Et on va jouer avec eux. Après, il y a plein de petites choses. On peut leur mettre un attrape-rêve au-dessus du lit qui les protège. Les enfants sont encore, jusqu'à assez tard, dans une pensée un peu magique et très rassurante. Donc, pas hésiter à s'en servir très gentiment avec eux. Sandy a des fils qui sont très amis avec leurs petits voisins. Ils se retrouvent souvent les uns chez les autres pour jouer. Elle déménage bientôt, évidemment. Elle n'ose pas trop leur dire qu'elle va moins les voir. Oui. Comment est-ce qu'on amène ça ? Et est-ce qu'on continue à entretenir, comme on l'a vu dans le reportage, des relations avec ses anciens amis épistolaires ou avec les nouvelles technologies ? Alors là, il faut être vigilant avec les anciennes relations et les nouvelles. Parce que bien sûr, avec l'enfant partant, il va devoir investir un nouveau cadre. Donc, c'est propre à chaque enfant, en fait. S'il a véritablement investi un réseau amical très important, on va garder ses liens. Si ce réseau était moyen, on va tout doucement réinvestir le nouveau. C'est vraiment aux parents d'observer le fonctionnement de leur enfant et comment il a noué des liens avec les uns et les autres et les demandes qu'il va avoir aussi d'avoir des contacts ou pas. On accompagne. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Fabrice Bach. Ouais, grâce à vous, on va pouvoir déménager, mais tellement
tellement merci. Sereinement. Merci. Marie Perrano, c'est fantastique. Je dis on comme si je déménageais avec elle. Car oui, je vais vivre dans cette famille. Déjà, ils sont 6, ils sont contents de m'avoir. Merci à toutes les deux d'avoir témoigné. On embrasse très très fort Agathe et Alexandre. Ça va aller pour Alexandre. Une petite fête, un petit anniversaire et puis hein, ça repart. On va parler notamment dans les jours à venir du diabète. Alors si vous avez un enfant qui a un diabète de type 1, comment est-ce qu'il a été diagnostiqué? Comment est-ce que vous avez appris en famille à gérer sa maladie chronique, c'est-à-dire les dosages, les piqûres? Quels en sont les incidences sur sa vie quotidienne? On a besoin que vous veniez nous en parler parce qu'on voudrait un petit peu mieux connaître le sujet. Détox, protéines, régime chou, ben vous allez tout tenter pour perdre vos kilos de grossesse. Mais ça s'accroche, ça ne veut pas partir comme une moule sur son rocher. Et vous vous demandez si faire un régime, c'est vraiment la solution. Comment mincir pour de bon en évitant le yo-yo? Venez partager vos astuces avec nous. Et je dis bien nous, parce qu'on vit toutes la même chose. N'est-ce pas les filles? Voilà, la ceinture abdominale. Allez, rah! Et justement, c'est l'heure de pratiquer dans la maison des maternelles. Alors je vous le dis direct, c'est pas aujourd'hui qu'on va perdre nos kilos de grossesse parce que dans un instant, Karim va nous apprendre à nous masser le visage puisqu'il va nous faire du cobido, enfin pas à nous, mais à son heureuse cobaye. En attendant, on va retrouver notre sage-femme préférée, Afida, en consultation à la maternité. Elle reçoit une maman enceinte de 7 mois qui attend des jumeaux. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Aujourd'hui, je suis avec Christelle, enceinte de 30 semaines d'aménorrhée, pour sa consultation du 7e mois. Alors... Non, ils bougent bien, les petits bouts? Oui, bah, y en a un que je sens toujours un peu moins, mais... Mais il bouge quand même. C'est la position qui... C'est celui qui est un peu plus petit ou pas? Oui. D'accord. Et les échographies, c'est une fois par mois depuis... Ça y est, ils sont instaurés. Parfait, parce qu'en fait, quand c'est une gémellaire, on a instauré ces consultations un peu plus rapprochées et une échographie par mois pour voir l'évolution, que les bébés grossissent bien surtout. Eh bien, on va monter sur la balance parce qu'on n'y déroge pas. Toute consultation commence par une prise de poids, simplement pour nous alerter s'il y a une prise de poids trop importante sur d'autres pathologies. Elle est plus sympa que l'autre. Parce que je suis sympa, tout simplement. Je vous laisse vous installer. Vous voulez que je relève un petit peu? Non, ça super. Va. Super. On va déjà prendre la tension. Alors, toujours la première tension qui est un petit peu limite. Voilà. Je prends la hauteur utérine. La mesure de la hauteur utérine est faite systématiquement. Pourquoi? Pour voir la bonne croissance de votre enfant. C'est l'aspect clinique qui nous dit si votre enfant est petit ou pas en fonction des centimètres qu'on trouvera. Et là, comme c'est Madame Gémellaire... On est à 39, c'est pas mal dis donc. Si ça avait été une grossesse simple, c'est-à-dire un bébé in utero, ben on aurait eu entre 28 et 30 pour les gros bébés. Donc l'utérus est souple, j'en profite aussi parce que souvent les grossesses gémellaires, on a un excès de liquide. C'est pour ça que la prise de poids est très importante. Donc là, ce n'est pas le cas. Alors quand je fais ça, je ne sais pas si vous connaissez le signe du glaçon. Quand je pousse, c'est comme un glaçon que vous mettez dans l'eau. Et ça fait doum, doum, en laissant. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez un utérus très souple. Allez, on va les écouter. On va commencer par celui-là. C'est à peu près là. Et là, on va écouter les bruits du cœur de votre bébé. Pourquoi les bruits du cœur du bébé? Simplement pour avoir la bonne vitalité de l'activité cardiaque de votre enfant. Il a un rythme de base qui est parfait, il est à 153 là, donc c'est entre 120 et 160. Allez, on va faire le deuxième. Et le deuxième, j'ai l'impression qu'il est plus vers là. Là, il était à 153, là, il est à 148. On a l'impression que ça va plus rapidement alors qu'il est un peu plus lent. Pas mal. Hop, mais c'est tranquille hein, dans leur maison. La fois dernière, vous me parliez des parasites. Oui, des fourmis. Moi. Est-ce qu'ils sont encore? Oui. Est-ce que ça a augmenté? Alors, ça n'a pas augmenté, ça pas augmenté. C'est pareil. Vous sentez quand même le bout de vos doigts? Oui. Hein, quand vous tenez, il n'y a pas de souci. Essayez non. de serrer vos mains. Oui. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Non. Pendant la consultation, on vérifie différents signes qui peuvent nous alerter sur différentes pathologies. C'est normal qu'il y ait ces petits œdèmes. On peut en avoir au pied, on peut en avoir un petit peu au niveau des mains, on peut avoir ces engourdissements du matin. Alors, ce que vous faites, de l'eau froide, oui. d'accord?
Vous bougez aussi vos mains, ok? Vous respirez, ça c'est important, parce que si on reste comme ça, ben, c'est une vasoconstriction aussi, et puis ben, ça accentue. Et si vous sentez bien vos mains, il n'y a pas de paresthésie, c'est-à-dire que des fourmillements au bout des doigts, avec mais vraiment une insensibilité, si vous avez ça, ben, vous venez consulter. Si vous n'avez pas de rendez-vous, vous allez directement en salle de naissance, surtout à ce terme-là, de façon à ce qu'on ait un avis soit neuro, soit rhumato. D'accord, d'accord. Vous allez pouvoir vous lever. Vous voulez que je vous aide? Non, c'est pas aller. Mettez-vous sur le côté, voilà, doucement, toujours. Voilà. Ça va ? Merci Afida, qu'on adore voir évidemment dans son quotidien de sage-femme. Et on va la retrouver donc régulièrement. C'est aussi une bonne façon de vous informer. Bonjour Kinsey. Bonjour. On est tellement content de vous avoir, d'être la maman de Naël qui a aujourd'hui 2 mois. Donc là, écoutez, le monde s'arrête quand on voit un bébé aussi mignon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est hyper sage. Il est trop chou. Alors vous savez Kinsey quand même que les jeunes mamans qui viennent nous voir généralement quand il y a Karim à côté, elles bossent. C'est-à-dire qu'on va faire des squats, on va faire des abdos, des machins. Mais vous, vous avez un bol. Déjà, votre bébé est sublime. Et en plus, vous venez pour vous faire masser. Voilà. Est-ce que vous connaissez le Kobido ? Pas du tout. Alors, c'est quoi le Kobido, Karim ? Le Kobido, Agathe, c'est une technique de massage japonais qui permet de lutter contre les effets de l'âge, lutter contre les rides d'expression notamment, et entretenir la peau, faire en sorte qu'elle soit mieux vascularisée. Et surtout qui procure un bien-être incroyable. On va se focaliser sur le visage, c'est d'accord, la particularité de cette technique. D'habitude, on peut aller dans un institut pour le faire, pour se faire faire ce massage par un praticien. Là, ce que je veux, vous savez que je rêve toujours de rendre les mamans autonomes. Donc vous avez 5 heureuse. Voilà, heureuse. 5 minutes. Je vais vous apprendre quelques techniques pour que vous puissiez le faire vous-même. Les rudiments, donc vous voilà, allez vous automasser. Je vous laisse. Quant à vous. Attention, chauffez vos doigts. Bonjour, Kinsey. Bonjour. Alors, l'idée, ce sera de toujours alterner des mouvements doux avec des mouvements un peu forts. Lors d'une séance de Kobido, c'est presque comme un ballet. C'est que le praticien ou la masseuse vous le fait, vous sentez des pressions, un peu comme le shiatsu, c'est aussi japonais. Ah, oui, d'accord. Il y a des pressions sur des lignes d'acupuncture qui permettent de détendre le corps. Là, on se focalise sur le visage. D'accord. Okay. On va commencer, comme dans tout massage, par ce qu'on appelle l'effleurage. On prépare la peau à ce qui va se passer après. Vous passez juste les mains de bas en haut, vous montez ici et relâchez. Encore, ici. Essayez de garder les doigts assez ouverts pour pouvoir visiter toutes les parties sans faire de grande pression. Voilà, on part là-bas du centre du cou. On va vers l'arrière, là. Relâchez. Ça fait du bien. Ça fait du bien ? Oui, c'est juste le début. Là, la peau est prête. Et maintenant ? Maintenant qu'on sait le faire, on va utiliser pratiquement la même technique d'ouverture. On va du centre avec les doigts reliés. Du centre vers l'arrière, voilà. En appuyant un peu plus fort. Maintenant, c'est le lissage. Là, vous mettez une pression un peu plus forte. Vous voyez comment mon visage, c'est drôle. Ouais. Vous verrez, pendant tout ce massage, le visage va beaucoup s'étirer. C'est tout cela qui va nous donner l'effet lifting. Ça s'appelle le lifting naturel. Vous n'avez pas besoin d'aller en chirurgie. Ça permet d'entretenir la peau. Allez-y encore. Là. On redescend vers le cou. Et vers le crâne aussi, ça fait du bien. Voilà. Vous n'avez pas besoin, on met une petite crème pour pouvoir faire ce massage, mais vous n'avez pas besoin d'huile de massage particulière. D'accord. Voilà, laissez le front, les rides du front ici. Voilà. Et voilà, vous sentez que c'est un peu étiré? Oui. Parfait, oui. On commence. Là, on a travaillé sur la peau, on va essayer d'aller maintenant réveiller l'ossature, les os. Donc vous allez ici, on va faire des tapotements, ça va faire ici. Vous voyez, avec 2 doigts, je suis en train de faire là, là. On part de là-bas, voilà, là. Et maintenant, ouvrez vos mains. Et pareil, évidemment, vous ne vous donnez pas des claques, vous faites ce que vous voulez. On va toujours de bas en haut. J'ai commencé en bas et je suis remonté. Et maintenant, je redescends. Là. Ça chauffe, en fait. Ça chauffe, exactement. Chauffer, les Japonais parlent d'énergie. Je ne sais pas si l'énergie existe, mais ce qui est sûr, c'est que ça active la circulation sanguine. La peau est un organe comme les autres. Là, ces exercices vont permettre de l'étirer, permettre de l'entretenir. C'est comme si on faisait du stretching à des muscles. Et on va activer la circulation sanguine en dessous. Et on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour faire tous ces exercices? Non, ça dépend du temps que vous avez. Vous pouvez faire 5 minutes. Là, je vais vous montrer quelques techniques. Vous les utilisez comme vous voulez. Vous pouvez en faire juste 2 ou vous pouvez en faire 3 ou 4. Il y en a énormément en fonction du temps dont vous disposez. D'accord. Exactement. On va passer au pétrissage. Vous prenez la peau. On part toujours du centre du menton, de la base du menton. Ici, regardez.
vous prenez, prenez vraiment la peau entre vos doigts, d'accord, ici, et vous tournez, vous appuyez. Voilà, ça fait des, comme des petits cercles. Ah, parfait. Oui, oui. Vous allez jusqu'à la base de l'oreille et vous redescendez. Là, on est en train d'aller chercher les muscles. On a 94 muscles dans le visage. On va chercher à les stimuler, à les faire réagir. Et comme les muscles sont reliés, voilà, on est au niveau des pommettes. Là, vous faites de petits cercles massés avec la pulpe des doigts. Parfait. Là, là. Et maintenant, on va aller chercher le contour des yeux. N'hésitez pas. Hein. Là, voilà. En bas. Là. Et le front, évidemment. On sent que ça détend. Voilà, ça détend. Et relâchez. Ça va? Très bien. Parfait. On va mettre maintenant des pressions un peu plus importantes avec les pouces, regardez. D'accord. Là, on va partir d'ici, remonter, là. On suit les lignes des méridiens d'acupuncture. Ici, là, allez sous les yeux, dessinez une sorte de carré, allez vers l'oreille. Là, parfait. Et on descend. Pareil. Ici. Maintenant, vous allez chercher le contour des lèvres. Un, deux. Ça, c'est le moment qui est un peu douloureux parce que les pressions, vous devez les sentir juste au centre du... au-dessus de la bouche, là, en dessous des narines, vous appuyez. C'est sensible. Voilà, il y a un point d'acupuncture très important. Relâchez, c'est bon. Ça va? Très bien. Vous sentez que votre visage est un peu plus vivant. Oui, ça fait un peu bizarre. On s'en occupe, on s'en occupe. Le cerveau a cette particularité que... Si vous ne vous occupez pas d'un endroit du corps, eh bien, il ne s'en occupe pratiquement pas aussi. Il n'y a pas... Là, on envoie de l'énergie. Oui, on sent que c'est réveillé. Voilà, c'est réveillé, c'est exactement ça. OK, on va continuer maintenant. On va faire des pincements. Vous allez prendre la peau et l'étirer. Vous voyez, là, on va prendre... Ah, on commence en dessous des yeux. Ça va vous enlever les poches, tout ce que vous voulez, autour. Là, étirer. Là, l'arête du nez. Prenez-la, n'hésitez pas. Vous allez vous rendre compte que c'est élastique. Ça peut... Je sais, c'est bizarre un peu à la télévision. Allez, disons prenez... qu'on n'a pas l'habitude de se toucher. Oui, mais il faut se toucher ici. Prenez les lèvres, là, descendez. Parfait. Vous pouvez faire tout le visage comme ça, en prenant avec la pointe, le bout des doigts, étirer. On va maintenant faire l'écartement. Prenez vos mains, vous les mettez ici. Et comme le lissage de tout à l'heure, ouvrez... Maintenez, voilà. Et maintenant, ça, on le fait pour clore notre séance, mais on le fait en descendant. Ici, voilà. Encore descendez, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est tout à fait j'ai ça. J'ai retenu qu'il y avait étirez. Un point de culture ici. Donc voilà, tout le corps. Ouvrez, là. Et relâchez. Comment vous vous sentez, alors? Eh ben, la vérité. Eh ben, très bien, parce que... Sûr bah, avec un bébé, je n'ai pas beaucoup le temps de prendre soin de moi. C'est-à-dire qu'en fait, le truc qui est pas mal, c'est qu'on n'a pas le temps de s'occuper de soi quand on a un petit bébé aussi petit, quoi. Alors qu'il faut. Donc, c'est vrai que pendant que bébé fait la sieste, je pourrais faire ça. On peut s'automasser. Merci, Karim. Mais qu'est-ce que vous rendez les femmes heureuses, Karim? Et encore, vous ne savez pas tout. Merci beaucoup, Finzi. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. La prochaine fois que vous venez, ce sera peut-être des abdos. Rêvez pas. Hein. Ah, bah oui. Non, mais vous pouvez le laisser faire dodo, oulala. Ah, bah oui. Restez bien là, d'accord, tranquille. Alors, ne réveillons pas un bébé qui dort. Mais non, vous pouvez rester. Restez là, surtout. Profitez. Ah, oui, non. Franchement, profitez. La maison des maternelles est à vous. Venez, Karim. Très bien. Merci. Merci, Karim. Quel beau gosse, Karim. Mais c'est un truc de malade. Il lui faut tout. Beau gosse, mais éclopé. Ouais, un beau gosse éclopé, mais je sais pas, ça lui donne un petit côté Captain Crochet. Ouais. Moi, on m'a dit que Dr House, il y avait un certain succès. Donc... Ah bah moi, je trouve... Alors là, il a pris des couleurs à Dr House. Vous y allez? Bon, moi déjà, un médecin, déjà à la base. La alors blouse, en plus, la blouse, avec Agathe. Cette tête. Comment? C'est la blouse. Oui, c'est la méchanceté aussi. Hein, méchanceté. C'est quoi, la fille devient folle. Moi, j'adore les gens ignobles. Ça va, les amis? Très bien, nous, Marie, ça va. Vous avez des questions plutôt que de vous prendre les bouches? Je m'automasse avec les picots. Oui. Tout va bien. De quoi? Alors, Marie, on vous écoute parce que nos experts sont là. Oui, c'est vrai. Et ils sont en attente de vos questions. Quand même. Flavie, mon cher Karim, voudrait savoir, parce qu'elle a lu, c'est hyper clair, que beaucoup d'articles disent que le Cobido a des vertus liftantes. Exactement. Bonjour Flavie. Évidemment, le Cobido a des vertus liftantes. Regardez ma peau.
Vous voyez que... 18 ans de pratique. Oui, on ne se rend pas compte. Alors qu'il a mon âge. Hein. Oui, 80, exactement la même année. 93 ans. Ouais, c'est ça. Évidemment que ça a des vertus liftantes parce qu'on étire la peau. La peau est un organe extensible et qui peut devenir très... Vous n'avez pas vu mon ventre, hein, quand même. Pas si extensible. Mais c'est justement parce qu'il est extensible. Enfin, bah. Ah, hier, moi, je me suis dit que je pouvais lancer. Si quelqu'un se noie, je peux lancer mon ventre. Je peux faire comme ça. Faire comme ça, il peut l'attraper et on peut tirer comme ça. Non, c'est ce que je me suis dit hier en regardant. Oui. Donc, de faire ces mouvements permettent d'entretenir cette peau et d'enlever, je disais, les rides d'expression qui arrivent naturellement avec l'âge. J'ai toujours pensé que quand on étirait, quand on met nos crèmes, il ne fallait pas trop tirer, justement. Non. D'accord. Donc, notre esthéticienne Karim nous dit comment. Afida, on a reçu beaucoup de questions sur les jumeaux, puisque cette maman attendait des jumeaux. Donc, elle a accouché. Spécial jumeaux. Hello, voudrais savoir s'il est plus difficile de détecter des anomalies chez le fœtus lors d'une grossesse gémellaire. Quand vous recevez justement des mamans comme ça, est-ce que c'est plus compliqué pour vous quand il y a des jumeaux? Alors, je vais dire non. Pourquoi? Parce que le suivi est quand même plus accru chez une grossesse gémellaire. Les échographies sont mensuelles. Donc, non, la surveillance est tellement... Après, le risque zéro n'existe pas. Il ne faut pas non plus qu'on soit surhumain. Mais c'est vrai que c'est comme une grossesse normale et avec un suivi plus... Elle a accouché la jeune femme qu'on a vue à l'heure? Oui, prématurément. Certes, mais elle est, ouais. Petit pipi. On les embrasse. Oui, adorable. Océane aimerait savoir si elle peut trouver des séances de Cobido et à quel prix. Ah, parlons pognon. Le fameux prix. Le fameux l'oseille, prix. L'oseille. Bonjour Océane. Vous trouvez des séances de Cobido un peu partout ici en France. Il y a la tradition des instituts avec des élèves formés par le maître qui s'appelle Mochizuki, japonais. Mais il y a énormément d'instituts qui font comme ce qu'on a fait. Moi, je ne suis pas un maître en Cobido, mais qui reproduisent ces mouvements-là. Donc, vous trouvez énormément d'instituts qui le font aux alentours de 50-60 euros, le prix d'un massage normal. Mais si vous cherchez bien sur Internet, à 29-30 euros, vous en trouvez. Oui! Je ne vous mens pas. Clémence, justement, réaction à cette maman qui a accouché prématurément. Est-ce que beaucoup de grossesses gémellaires atteignent leur terme ou est-ce que bien souvent, vous voyez des mamans, des patientes qui ont accouché plus tôt? Alors moi, c'est vrai que quand la sage-femme suit ce qui n'est pas pathologique, même si la grossesse gémellaire est considérée comme une grossesse pathologique, hein, pourquoi? Parce qu'il y a plus de risques d'hypertension, plus de risques de diabète, de retard de croissance, donc elle est suivie en lien assez... plus près, quoi, ouais. Avec un gynécologue obstétricien. Donc à l'hôpital, c'est vrai que... Mais ouais, on va dire qu'il y a 50-50. C'est vrai qu'en tant que sage-femme, on les voit passant leur terme. Passant leur terme, enfin, arriver à au-delà de 37 semaines. Il est vrai que vers 38-39 semaines, la grossesse gémellaire, on dit, bon, bah, elle a atteint son terme, donc ça va aller. Ça serait bien que ça arrive pour éviter différents risques et différentes pathologies. Mais sinon, il faut dire 50-50 à peu près. Okay. Merci à tous les deux. Merci Marie. C'est l'heure de l'agenda, Benjamin. J'ai des livres ce matin à vous présenter. On commence par Pomelo se souvient, c'est chez Albin Michel Jeunesse. Regardez, Pomelo, c'est lui. C'est un album qui peut aussi devenir un cahier de dessin. C'est ça qui est intéressant, avec des paysages, des images à compléter, à colorier, à dessiner, etc. C'est l'histoire de Pomelo, donc, qui est un petit éléphant qui se promène dans son souvenir. Et il se souvient de son cher pissenlit, de la couleur des tomates, d'une fête déguisée. Vos enfants pourront y rajouter leur propre couleur et leur souvenir. C'est un livre à terminer, si l'on peut dire comme ça. C'est plutôt sympa. Éléphant ouais, rose. Éléphant rose, tout à fait. Et non pas pamplemousse, voilà. Pomelo. Non, c'est pas. C'est vrai. Un album d'éveil pour les tout-petits. Voilà ce qu'on a essayé de vous montrer ce matin. Maman arc-en-ciel. C'est un livre qui se raconte à travers les yeux d'un petit garçon en adoration devant sa maman. Il va découvrir toutes les couleurs grâce à elle. Le vert forêt de ses yeux, l'orange mandarine de ses cheveux, le rose de ses câlins, le rouge de sa colère, et puis si jamais le gris de la tristesse s'empare de sa maman, c'est le petit garçon qui lui tend les bras pour lui redonner son arc-en-ciel. C'est pas mignon. C'est aux éditions Sarbacane, c'est très poétique. Alain Bachung chantait le vertige de l'amour, et nous on vous parle de quoi? Du virus de l'amour. C'est un autre délire, c'est aux éditions Frimousse, c'est une aventure de Jean l'éléphant, là encore, qui cette fois-ci est tout bizarre, il rougit tout le temps, perd ses mots, ne marche plus droit, tout le monde se demande mais qu'est-ce qui lui arrive à ce petit éléphant, qu'est-ce qui lui arrive? Et vous avez compris, il va chez le médecin, il est diagnostiqué, il est malade, non, il a connu ce que l'on appelle l'amour. Oh, je vous vends du rêve ce matin. Ça vous est arrivé, vous, quand vous m'avez rencontré, non? Maladie d'amour. Ouais, tout à fait, tout à fait.
Il est odieux, il fait même pas semblant. Si, si, si. Je vous aime, d'ailleurs, je vous offre le virus de l'amour. C'est chez Frimousse. Je le prends comme un message. Voilà ce que j'ai à vous dire. Demain, nous allons nous retrouver en direct. On va parler grossesse, on va parler naissance, on va parler ostéopathie. Vous êtes tous allés chez un ostéo? Enfin, oui. Jamais. Karim, j'imagine que oui, non? Oui. Voilà, et avec les enfants, vous y êtes allés? Non. Encore. Bon, bah, c'est vachement bien. On va en parler demain. C'est un sujet, on en parle de plus en plus dans les maternités. Je crois que c'était important qu'on l'aborde dans la maison des maternelles. Puis on va parler aussi des doudous de nos enfants. Marie va nous donner toutes ses astuces et ses objets malins pour aider ses enfants à aller sur le pot. Ah. Merci Marie, mais vous auriez dû faire ça il y a 3 mois parce que moi, ça y est. Bref, on fera de la marche nordique avec Karim, enfin nous, parce que vous, je ne sais pas comment vous allez faire, dans 1h30 sur France 5, évidemment c'est La Quotidienne avec Maya et Thomas. On vous invite à nous envoyer les photos de vos très très beaux bébés parce que comme chaque jour, notre générique est unique. À demain en direct dans la maison des maternelles. Bonne journée sur France 5.